J'ai 70 ans, je suis né à Casablanca, avec l'obligation de quitter le Maroc compte tenu que le Maroc venait d'avoir son indépendance en 1956. Il devenait difficile de continuer les études. Puis donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à Paris, à l'école spéciale des travaux publics. Dès que je suis arrivé à Bordeaux en tant que météo, en 1962, j'ai rencontré ma femme à Bordeaux. C'est comme ça que je suis venu habiter à ce nom, en 1964. 8 ou 10 ans plus tard, nous avons acheté ici au Clos de l'Empereur, ce qui fait que nous sommes à ce nom depuis 48 ans. Nous ne sommes pas Senonais de souche, mais Senonais de cœur, forcément au bout de 48 ans. Ce n'est qu'à la retraite où, déjà avec ma femme, en nous baladant dans ce nom, j'ai eu le loisir de compter 14 châteaux. En fait, il n'y en avait que 12. Et je me suis dit, mais comment ce nom peut avoir 12 châteaux? Ensuite, habitant au Clos de l'Empereur, je me suis dit, quel est le lien entre l'empereur, Napoléon Ier, et ce nom? Et de là, je me suis mis à chercher archives départementales, archives communales, archives municipales de Bordeaux, de ce nom, les bibliothèques, les médiathèques. Et puis à partir de là, bien, j'ai commencé à chercher sur les châteaux, sur la vie de ce nom, qu'est-ce qui s'était passé pendant 7 ans, 8 ans. J'ai pris des notes. Après avoir écrit mon livre, je me suis demandé quoi faire de ce livre. Et donc je me suis souvenu à ce moment-là que lors de mon arrivée à ce nom, j'avais été très bien accueilli par un homme d'un grand humanisme, René Cassagne, qui nous avait donné la possibilité de nous épanouir dans cette ville que nous ne connaissions pas. Il fallait des gens qui nous réconfortent, et c'est ce qui s'est passé. Ce souvenir magnifique, j'ai dit, ben, je vais écrire ce livre et le faire cadeau à la ville de ce nom, aux Senonais, et j'espère que beaucoup de Senonais vont apprendre tout ce qui s'est passé à ce nom depuis l'Antiquité jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale.